De la cocaïne en pagaille, les gardes-côtes américains ont déchargé près de 5 tonnes et demie de cocaïne d'une valeur de plus de 160 millions de dollars à Miami. Des drogues récupérées dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes lors de 9 opérations distinctes. Le Brésil a enregistré de son côté sa plus importante saisie de drogue lors d'une opération en haute mer. 3,6 tonnes de cocaïne en route vers l'Afrique. Les 5 membres d'équipage risquent 35 ans de prison.